On va partager un texte que je trouve assez fort. Alors, certains le connaissent très bien, j'imagine, et d'autres le connaissent peut-être pas. C'est un texte qui se trouve dans le livre des Nombres, et c'est un passage dans lequel Dieu fait montre de puissance, mais pas de manière très très sympathique vis-à-vis d'un prophète. C'est-à-dire qu'il fait opposition à un prophète qui s'appelle Balaam. Je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans, mais moi j'entends souvent des personnes me dire « Moi, Seigneur, je veux voir ta puissance, j'aimerais tellement voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans ma vie. » Et en fait, il se trouve que de temps en temps, quand Dieu fait preuve de puissance, eh bien, ce n'est pas forcément dans le sens qu'on imaginait. Et là, c'est le cas dans ce texte. C'est un exemple où Dieu s'est carrément opposé à un prophète pour l'empêcher de continuer sur une voie de perdition, pour lui-même, mais pour le peuple d'Israël, etc., etc. Et progressivement, en fait, Dieu a amené ce prophète à prendre de la hauteur. Il l'a amené à sortir de sa visière qui était vraiment très, très fermée, et à prendre de la hauteur. Alors le contexte, c'est que le peuple d'Israël est très très proche de la terre promise. Et ils ont déjà remporté deux victoires contre les Amoréens. Ils sont vraiment à très courte distance de la fameuse terre promise. Et en fait, il y a la plaine de Moab, il y a un peuple là. Et il y a un roi qui n'est pas du tout rassuré. Il est très inquiet. Et il se dit, oula, ce peuple est en train de monter et ça va mal se passer pour nous. Et il va trouver un prophète ou un devin, ça dépend comment on l'appelle, qui était dans le peuple d'Israël, qui était du peuple d'Israël, et va lui dire, je sais que tu es un bon devin, je te demande de maudire ton propre peuple pour que on remporte, pour que nous, on ait la faveur. Je sais bien que votre peuple est béni, et votre Dieu, il est très très puissant, mais ce que je te demande, c'est de maudire ton peuple pour que nous, on ait nos chances. Quoi. Complètement ouf, le gars. Mais en fait, voilà, ça fonctionne vraiment comme ça. Et donc, il va trouver ce devin qui s'appelle Balaam. Et ce qui est très très particulier en fait, c'est que Balaam, c'est un devin, un prophète, c'est quelqu'un qui entend la voix de Dieu, qui voit là où va le vent de Dieu, qui sent le vent de Dieu, il sent les choses, il entend Dieu. Mais je le résumerais comme ça, c'est quand même quelqu'un qui est un peu comme un fétu de paille, qui se laisse pousser par le vent de Dieu, mais qui de temps en temps espérerait bien qu'il y ait une bourrasque qui l'emmène du côté de ses intérêts personnels, notamment quand il y a un petit peu d'argent à se faire, bref, c'est pas très très clair, c'est pas très très clair, ce Balaam. Il entend Dieu, il se laisse guider par lui, mais de temps en temps, il fait des trucs un peu bizarres. Et en fait, il va consulter une première fois Dieu, parce que Moab est venu le voir, il a envoyé une délégation pour lui dire « maudit ton peuple », et il va voir Dieu, il lui dit « qu'est-ce que je fais ?» Vous savez, c'est un peu comme si vous avez votre ado qui vient vous voir, des papas par exemple. Il vient vous... Écoute, j'ai rencontré des amis, ils sont vachement sympas. Ils m'ont suggéré de piquer dans le portefeuille de maman. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, non, je sais pas. C'est un peu le genre de truc. C'est un peu le genre de truc que vient demander Balaam à Dieu en fait. Il me demande de maudire ton peuple. Qu'est-ce que tu en penses, Dieu? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, donc il va une première fois le voir, Dieu lui dit, non, ne le fais pas, n'y va pas. Ok, il dit non, et Moab renvoie une deuxième délégation plus puissante, plus impressionnante, avec un petit peu plus d'atours, un peu comme ça se fait dans les négociations. Vous savez, quand on dit, je vais pas maudire mon peuple si facilement, et ben hop, on y va avec un peu plus de moyens, etc., un peu plus impressionnant. Et ils viennent lui dire, s'il te plaît, quand même, considère encore un peu la chose. Et puis Balaam, il va reconsulter l'Éternel. Il va reconsulter, il se dit, t'es bien sûr. En gros, je m'adresse encore à vous, messieurs. Vous savez, il y a un cliché qui dit que quand une femme, vous lui avez demandé plusieurs fois un avis sur quelque chose, et au bout d'un moment, elle vous dit, bon, fais ce que tu veux. Alerte. Ne le faites pas. Ne le faites pas. C'est un piège. Donc, c'est un peu pareil, en fait. Là, il retourne voir Dieu, et en fait, pourquoi? Tu sais très bien la réponse. Et Dieu lui dit, de manière très surprenante, « Ok, qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Vas-y. » Il n'a pas changé d'avis, Dieu. Mais simplement, il va renverser, en fait, la situation, et il va faire quelque chose de,
il va le laisser en fait courir un petit peu au bout de son obstination pour lui donner une leçon, mais aussi pour, on va le voir plus tard, bénir carrément Israël au vu et au su de l'ennemi. Voilà, donc là j'ai bien présenté l'histoire. Maintenant on va lire les fameux passages, parce que Dieu agit de manière assez puissante et incongrue. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Alors l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. L'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se tint dans un sentier entre les vignes. Il y avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint dans un endroit resserré où il n'y avait pas d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec son bâton. Et l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu m'as contrarié. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais sur le champ. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour ? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois ? Voici que je suis sorti pour m'opposer à toi, car le chemin qui est en face mène au précipice. L'ânesse m'a vu et s'est détournée de moi déjà trois fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si j'agis mal à tes yeux, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes. Cependant, tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam s'en alla avec les princes de Balak. Voilà un texte très très intéressant. Alors, progressivement, Dieu va amener Balaam à prendre de la hauteur sur sa situation. Il va révéler en fait l'endroit où c'est lui-même mis en fait ce prophète. Alors il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses que je veux vraiment préciser par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Balaam, il n'est pas très clair. Il n'est pas très clair dans son cœur. En fait, il y a une stratégie de négociation. Vous savez qui veut que quand on veut obtenir plus de la personne qui nous demande quelque chose, il faut d'abord refuser une première fois. Et on peut se demander si Balaam n'était pas en train de faire ça, tout simplement, avec Moab qui était en train de lui demander de maudire son propre peuple. Certes, il entend la parole de l'Éternel, certes, il craint l'Éternel, mais quand même, là, il se dit, il y a un parti intéressant, je peux peut-être en retirer quelque chose. C'était peut-être même à peine conscient chez lui. Balaam est quelqu'un qui sait tirer profit des situations. Et il était en train d'avancer inéluctablement, et ça c'est ce que Dieu révèle, il était en train d'avancer inéluctablement vers la situation dans laquelle il n'aurait plus le choix. Vous connaissez la méthode du pied dans la porte, les commerciaux vous connaissez ça. C'est qu'une fois que tu as emmené quelqu'un, par exemple tu mets un petit parfum sur la rue, et puis les gens commencent à mettre du parfum, et puis juste à côté tu mets un petit appel d'offre, et hop, la personne rentre, et elle a le pied dans la porte, et là tu peux commencer. Et elle va rarement faire marche arrière une fois qu'elle est rentrée dans le magasin, et elle va acheter quelque chose. Ça, c'est la technique du pied dans la porte. Balaam, il a mis le pied dans la porte avec Moab. Moab a mis le pied dans la porte de Balaam. Et il ne peut plus reculer. Il a avancé suffisamment, inéluctablement, il allait vers ce qui est impensable à faire pour un prophète d'Israël, maudire son propre peuple. Et Dieu intervient de manière puissante pour contrer ce projet. Alors, en fait, j'aimerais plutôt qu'on se dise « Ah bah, quel méchant Balaam, c'est n'importe quoi. » J'aimerais qu'on considère que nous sommes, nous autres, vous, moi, de plein des manières possibles, très souvent dans la situation de Balaam. Très souvent, nous sommes pris dans un engrenage et nous sommes finalement plus portés par un vent qui n'est pas celui de l'Éternel que par celui de l'Éternel.
Et en fait, je vous propose trois pistes pour trois axes en fait qui sont vraiment clairement décrites dans ce passage qu'on vient de lire pour prendre de la hauteur et pour éviter ce genre de piège. Déjà, prendre de la hauteur, c'est se rendre compte que nous ne connaissons pas nos propres besoins. Nous connaissons très rarement nos propres besoins. Nous avons une idée de nos besoins, mais nous ne les connaissons pas comme Dieu les connaît. Balaam, très certainement, à ce moment-là de sa vie, se dit, je ne sais rien, je ne vais pas me mettre à sa place, mais j'imagine, il y a quelqu'un qui vient le voir, qui lui propose un truc certes très embêtant d'un point de vue moral, mais quand même avec des choses financières derrière, des honoraires, etc. Peut-être il se dit, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un peu de confort. Combien peuvent dire qu'ils n'ont jamais souhaité avoir un peu plus d'argent? Tu imagines peut-être que ton besoin immédiat, c'est d'avoir un peu plus d'argent. Et en fait, Dieu veut nous faire changer d'avis, parfois de manière très très claire, sur des choses qu'on estime vraiment nécessaires. Je connais beaucoup de personnes qui disent avoir besoin d'argent. Et peut-être que Dieu a envie de les faire glorifier Dieu à travers le peu qu'ils ont. Peut-être que tu estimes que tu as besoin de stabilité. Mais peut-être que Dieu, il voit précisément l'inverse. Il voit que tu es quelqu'un d'extrêmement efficace pour son royaume quand tu es déstabilisé, quand tu sors de ta zone de confort. Et peut-être que tu estimes que ton besoin, c'est d'avoir le plus vite possible un mari, une famille. Mais peut-être que Dieu estime que, en fait, il veut utiliser toute ta période de célibat pour le servir. Peut-être que tu estimes que tu as besoin de te faire respecter. C'est bien de se faire respecter quand même. Peut-être que tu estimes ça, mais peut-être que Dieu, il veut tirer sa gloire et confondre tes ennemis par ta puissance de pardon, par ta capacité à pardonner. Peut-être que tu estimes que tu as besoin de protection. Et peut-être que Dieu, il veut te faire prendre conscience qu'il veut te rendre protecteur de personnes qu'il met sur ton chemin. Et peut-être que tu estimes que tu as besoin de prouver que tu as raison. Et peut-être que Dieu, il veut briser ton orgueil. Peut-être que Dieu, il veut briser ton orgueil pour te faire rendre compte que qui est juste devant lui, pour que tu puisses mieux le servir encore. Bref, des exemples de la vie de tous les jours pour montrer que nous ne connaissons pas nos vrais besoins et que nous avons besoin souvent de prendre de la hauteur. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « J'avais un projet, je rencontre de l'opposition. C'est l'opposition du diable, c'est l'opposition de l'ennemi. » Bah, pas forcément. Ça peut l'être, mais pas forcément. Parfois, c'est l'opposition de Dieu lui-même. Parfois, c'est Dieu lui-même qui dit « Non, tu n'as considéré que ce dont tu pensais avoir besoin. Tu n'as considéré que ton intérêt immédiat, peut-être même celui de ta famille, peut-être même celui d'un groupe. » Mais tu n'as pas pris de la hauteur, comme moi je vois. Tu ne connais pas toujours tes propres besoins. Ça, c'est la première des choses. Quand on rencontre de l'opposition, demandons-nous quels sont mes réels besoins. Comment Dieu voit mes besoins. La deuxième des choses, tu ne comprends pas forcément les besoins des autres non plus. Alors ça, c'est très très intéressant parce que dans le passage qu'on a lu là, il y a une parenthèse. Une parenthèse peut-être totalement inutile, mais je trouve que Dieu parle souvent dans les parenthèses. La parenthèse inutile, a priori, là, c'est tout cet épisode avec l'ânesse qui parle et qui dit des choses qui sont quand même assez étonnantes. Moi, je me dis, bon, Dieu aurait pu couper le chemin différemment, il aurait pu s'y prendre différemment. Il a fait parler cette ânesse. Non seulement il l'a fait parler, mais il lui a fait exprimer son point de vue. Vous auriez demandé, vous, le point de vue de l'ânesse? Je ne sais pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, Balaam, il est dans son chemin et tout d'un coup, l'ânesse parle. Il rentre dans le jeu, il répond et tout. Et l'ânesse lui dit, est-ce que je t'ai déjà manqué de respect? Est-ce que j'ai déjà été infidèle? Est-ce que j'étais une mauvaise ânesse pour toi pendant toutes ces années où je t'ai servi? C'est étonnant, ça. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Pourquoi elle ne dit pas simplement, espèce de débile, tu vois pas qu'il y a un ange devant là, il va nous tuer? Non, elle ne dit pas ça. Elle dit, je t'ai servi fidèlement pendant toutes ces années. Pourquoi est-ce que tu te retournes contre moi? En fait, ce que je trouve intéressant c'est, dans cette parenthèse, c'est que Dieu fait prendre conscience à Balaam que dans son entêtement, dans son opiniâtreté, eh bien, non seulement il ne prenait pas en conscience de ses propres besoins à lui, mais il était capable d'aller contre les besoins de quelqu'un d'autre. Certes, c'est un animal, mais dans l'histoire, c'est important. Dans notre entêtement, nous sommes capables de pécher contre nos propres besoins réels, profonds.
Mais nous sommes capables de pécher aussi contre les besoins de ceux qui nous sont proches, de nos prochains, de ceux dont Dieu veut prendre soin, justement. Donc pour prendre de la hauteur, considère quels sont les besoins de l'autre. Combien de fois, dans notre entêtement, nous ne prenons plus en compte les besoins de l'autre. Nous ne nous posons plus les questions. Quels sont les besoins de l'autre? Là, c'est une ânesse. Je ne suis pas en train de vous encourager au véganisme, hein. En mode, voilà, nous sommes... c'est pas le propos, en fait, ici. Dieu ne dit pas... les véganes disent qu'il n'y a pas de différence entre les espèces. Dieu ne dit pas ça. Mais il dit, cette ânesse, elle a un besoin. Et tu as maltraité. Et Dieu est contre la maltraitance animale. C'est intéressant, ça aussi. Il est contre la maltraitance animale. Et Balaam n'a pas pris en considération cette ânesse. Mais c'est certainement le reflet de toutes les autres choses dont il n'a pas pris conscience. Tu ne comprends pas forcément les besoins des autres. Et Dieu veut être la voix de ceux qu'on n'entend pas toujours. Dieu veut être la voix de ceux qu'on ne considère pas toujours, pour que nous puissions prendre de la hauteur. Et la troisième des choses, qui est très importante pour nous, c'est de faire attention quand on est pris en tenaille dans un enjeu, dans un conflit qui est plus grand que nous, avec des parties qui sont plus, enfin voilà, qui sont au-dessus de nous. C'est typiquement le cas de Balaam. Il est dans un conflit là. Il est dans une guerre. Et en fait, il y a un parti qui essaie de l'utiliser contre l'autre. Faites très attention. Faisons très attention quand nous sommes pris dans des enjeux qui nous dépassent, dans des enjeux de conflit qui nous dépassent. En fait, quand on est pris dans ce genre de conflit, il y a deux choses qui se mettent en œuvre. Il y a la peur et il y a la tentation de l'argent, de l'intérêt. Et Balaam pêche de ces deux manières. Ils sont impressionnants, les Moabites. Ils viennent une première fois, ils viennent une deuxième fois de manière plus puissante. C'est une armée. Ils sont impressionnants. Parfois, on pêche parce qu'on a peur. Parce qu'on se dit, ils sont plus puissants que moi, je vais pas faire le malin. Ça peut même arriver dans des enjeux d'église, où il y a l'institution qui vient et puis qui vient dire attention, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Bref, dans toutes les circonstances, on peut être pris à partie dans des conflits, dans des enjeux qui sont plus hauts que les nôtres. La peur et l'intérêt, l'argent. Ils sont plus puissants, je vais peut-être pouvoir en tirer mon profit. C'est un peu en mode je vais faire chanter mon boss, quoi, finalement. Je vais peut-être pouvoir en tirer mon profit. Faisons très attention, que ce soit au boulot, que ce soit dans des enjeux d'amis, dans des enjeux de famille aussi, quand nous sommes pris à partie dans des conflits qui nous dépassent. Et en fait, le message, c'est si tu as peur de quelqu'un, si tu as peur d'une institution, si tu as peur d'un groupe qui fait pression, si tu as peur, eh bien, va voir plus haut encore. Va voir plus haut encore. Plus haut, c'est Dieu. Va voir celui qui est plus haut que ces enjeux-là, que ces conflits-là, que ces institutions-là qui te font peur. Fais attention quand tu es pris en ténaille ou à témoin dans un conflit plus haut que toi et va voir encore plus haut. Bref, voilà les trois choses qui sont très très importantes pour nous dans ce passage que nous donne Dieu sur cette ânesse. Tu ne connais pas toujours tes besoins. Prends conscience que Dieu voit tes besoins mieux que toi et que souvent tu as besoin de sortir de la considération trop immédiate des choses. Considère que si tu es trop entêté, tu vas finir par pécher contre les besoins des autres, les besoins d'autres personnes dont Dieu veut que tu prennes soin. Et considère que tu es peut-être pris en tenaille dans un enjeu qui te dépasse et qu'il faut que tu saches sortir. Vous savez, même quand tu as le pied dans la porte, même quand tu as l'impression que tu es allé déjà trop loin, sache qu'il n'est jamais trop tard pour revenir dans le droit chemin. Il y a un mécanisme psychologique, comme j'ai dit tout à l'heure, qui fait que quand on a commencé un chemin, il y a quelque chose en nous qui nous dit, t'as déjà fait la moitié du chemin, tu vas faire les trois quarts. Et puis aux trois quarts, pourquoi tu irais pas jusqu'au bout? J'ai déjà gâché mon temps, je me suis déjà engagée vis-à-vis, j'ai fait le chemin vers eux, je ne vais pas pouvoir les décevoir. Eh bien non, si ce n'est pas la volonté de l'Éternel, jamais, jamais, ne va jamais jusqu'au bout si ce n'est pas la volonté de l'Éternel. Sois prêt à faire marche arrière n'importe quand. Il y a un autre message aussi. Un autre message, c'est que finalement Balaam a ouvert les yeux. Certes, c'est Dieu qui a, au bout d'un moment, ouvert ses yeux, mais finalement, il a accepté de se laisser, de se laisser orienter par Dieu. Il a accepté de briser son entêtement et de dire « Ok, j'avoue, là, j'ai mal agi.
j'ai mal agi, je m'en retournerai maintenant. Il a peut-être des kilomètres de marche, mais il va s'en retourner parce qu'il a vu la puissance de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, qu'un esprit qui cherche sincèrement la vérité, qui cherche sincèrement la parole de Dieu, qui est prêt à user d'humilité, à appliquer l'humilité, à s'humilier, parce que c'est une action, hein, c'est pas, comme on l'a vu la dernière fois, c'est pas quelque chose qui est un trait de caractère, l'humilité. On est tous orgueilleux par nature. Mais si on applique ce processus d'humiliation vis-à-vis de nous-mêmes, eh bien, nous sommes capables d'entendre la voix de Dieu. C'est un message pour nous, peu importe où tu en es, plie le genou et demande sincèrement quelle est la volonté de Dieu. Pas comme Balaam les deux premières fois, en mode « t'es vraiment sûr ?» en mode « je sais, mais j'ai pas envie de savoir ». Mais en mode sincère, en mode « et si je m'étais trompée ?» Est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais, etc., etc. Vraiment en mode sincère. Pliez le genou devant votre Dieu. Va voir plus haut. Monte sur la montagne de Dieu. Et regarde de haut. En fait, à travers l'obstination de ce prophète, Dieu a fait un truc absolument incroyable. Il a utilisé son obstination pour finalement renverser la situation faire en sorte que Balaam ne maudisse non seulement pas Israël, mais en plus le bénisse au vu au sud de tous ses amis. Il lui a dit, maintenant que tu es là, tu vas y aller. Mais tu vas faire ce que personne n'a envie de faire, entouré de personnes qui ont pouvoir de vie et de mort sur vous. Tu vas proclamer une bénédiction sur les amis de ceux qui ont pouvoir de vie et de mort sur toi. Donc il va le pousser plus loin que ce que Balaam aurait été prêt à faire. Beaucoup plus loin. Je ne sais pas ce qu'il en est de la morale, de l'âme de Balaam. Je sais simplement que c'était quelqu'un comme vous et moi, ni plus ni moins, qui est capable de s'obstiner, qui n'est pas capable de jouer un petit peu le fétu de paille en espérant que ça va aller dans le sens de ses intérêts personnels. Et puis que c'est quelqu'un qui, à un moment, doit prendre de la hauteur et doit prendre des risques. Le Seigneur nous appelle à prendre des risques. Le Seigneur nous appelle non seulement à rester humble dans toutes les situations, mais à être prêt à prendre des risques et à aller jusqu'au bout de sa volonté à lui. Voilà, frères et sœurs. J'espère que ça vous parle pour votre vie de tous les jours. Je sais qu'on a différentes situations au boulot, dans nos familles, où on est pris en tenaille entre des enjeux qui nous dépassent. Et on a l'impression parfois d'être piégé, d'être bloqué. Et en fait, le Seigneur peut agir sur toutes les situations. Le Seigneur peut renverser une situation. Le Seigneur peut vous montrer là où vous avez été obstiné et puis peut vous utiliser au contraire pour être une bénédiction, pour être un outil de grâce. Amen. Père éternel, je te demande que tu viennes inspirer chacun d'entre nous dans sa vie, là où il en est, là où il en est. Que tu l'aides à prendre de la hauteur pour les situations qui sont les siennes et que tu puisses faire en sorte que comme Balaam, nous soyons renversés, soyons capables d'être renversés, capables d'être convertis dans notre manière de voir. Que nous soyons capables de passer à tout moment de la poursuite de petits objectifs ou de la poursuite d'intérêts personnels à la poursuite de ton plan pour tes enfants. Que nous soyons capables de passer d'un point de vue personnel à un point de vue qui est le tien, qui est celui du Père sur ses enfants, qui est celui qui bénit son peuple. Je te prie, Seigneur, que tu viennes éclairer les situations et que tu viennes aussi remplir de confiance, de force, que nous soyons capables d'aller jusqu'au bout des situations que tu mets devant nous. Nous sommes appelés à être des prophètes, nous sommes appelés à être des personnes qui proclament ta volonté dans les situations d'injustice dans ce monde, dans les situations dans lesquelles certaines personnes n'ont pas la voix, que tu saches nous utiliser pour proclamer que tu es le Dieu de la vie, que tu es le Dieu qui prend soin, que tu es le Dieu qui aime sa création, qui aime ses enfants. Oui, Père éternel, nous te faisons confiance parce que en toute chose, tu es capable de nous retourner. En toute chose, tu es capable de te dresser devant nous et de nous réorienter. Et nous voulons te dire merci pour ça, même quand ça ne nous fait pas plaisir. Merci pour ça parce que nous savons que nous sommes tes enfants et qu'avec toi, nous sommes entre de bonnes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.